pas les pièces rouges, la troisième? Non. C'est The End de quelque chose, là. Mais du coup, j'ai pas de DLC. Get a End. D'accord, bah attends, je te l'amène peut-être à celle-là. Mais il y, y avait 50%, c'est les DLC, Tenko. Je suis à l'extérieur, en fait. Ouais, je sais, ouais. Et 66%. J'ai pris les DLC, une partie des DLC d'Europa, du coup. C'est lequel qui te manquait? Quatre, il en manquait 4, et là il y en a une autre qui est sortie que j'ai pas pris par contre parce que c'est quand même assez cher. T'es à l'intérieur ou pas, Chrony? Oui, je suis tout en haut. Moi, qui vient de sortir. Eh merde, bah, je vais me suicider. Ouais, celle qui vient de sortir, c'est celle que j'ai pas du coup. C'est la seule qui me manque. T'as-tu le truc avec une japonaise ou une chinoise dessus? Oui, oui, on l'a. C'est celui-là qu'on va faire d'ailleurs principalement. On va faire une partie au Japon. Putain, mais niquez-vous! Un arabe. Après, ouais, je sais pas si. Enfin, nous, on sera au Japon. Attends, après, je sais pas pour les autres si on a des invités. J'entends. Gatoen, c'est celle que t'as obtenue toi en volant de l'autre côté du niveau. Sérieux? Ouais. Gay, quoi, c'est la mienne qui a pas été prise. C'est quoi? C'est la seule que j'ai prise qui a pas compté en fait, quoi. T'es sérieux? On est exposé, t'as combien là? 112, mais moi je suis à 111. On a fini le niveau en fait des. Ouais, le niveau est fini. Ouais. Faut juste attendre que je récupère la dernière quoi. La Dakota, ta mère des skills. Pousse la nana et moule café. C'est quoi la suite? La suite c'est le monde arc-en-ciel, c'est le dernier. Oh, de la tourne. Mais du coup. C'est le monde. C'est le monde en haut à droite. Du coup, comment on fait? C'est là où il n'y a pas de lumière. On va refaire l'étoile ou. Il faut que je la refasse, ouais. Bon, on l'attend. Ouais, bah oui. Et du coup, ouais. En fait c'est logique. Niveau, et puis c'est logique parce qu'en fait, quand je l'ai eu, j'ai fait l'autre state après pour pas me faire chier à revenir. Du coup, en fait, ça a pas enregistré. L'autre, on a l'impression qu'il est en train de copuler dans le ciel. C'est assez dans la version 3DS, il me semble qu'ils avaient quasiment doublé le nombre d'étoiles. Ou... Peut-être pas doublé, mais ils en ont rajouté quelques-unes. Ce stream me porte malchance. À toutes les fois que je joue à ce jeu, j'ai une de mes deux habitages qui enfle. C'est bon, je le ça me rend malade. Très bien. La présence qui veut ça. Peut-être tu l'as la dernière fois. La présence. Tout à l'heure. Voilà, je suis à 112. Il est où le niveau arc-en-ciel du coup? Il est à la fin, il reste en face de la casquette là qu'on a fait tout à l'heure. Casquette. Ta-da-da-da, ta-ta-ta-da-da-da. Ta-da-da. Il a aussi carrément d'un coup en mode vénère. Merde, j'ai raté mon saut. Cruiser Crossing the Rainbow. Bon, j'ai intérêt à travailler tout de suite aux 100 pièces parce qu'on n'est pas sorti. Mais on est si, avec Yoshi, c'est bon. C'est bon, on peut aller dans le monde. Avec Mario, moi je suis un ouf. Moi je m'en fous, je vais à l'autre bout du niveau là. Je me suis envolé, je sais pas où, mais j'y suis. Vous allez crever. Je suis à un endroit où il y a des plateformes du coup. Une espèce de pyramide qui s'inverse. Ouais, c'est un niveau où il y a besoin pas mal du tapis volant. Tapis volant, c'est pour les tapettes. Oh, il y a un tapis roulant. Que... Oh, c'est un volant, pas un roulant. Volant, mais pas un roulant. Un tapis croulant bientôt. C'est Aladdin. Mais sérieusement, c'est Adams. Oh non. Oh non. Non, c'est monsieur. Vous. C'est vous, monsieur. Non. Ah, je suis morte. Oh, ça m'étonne pas. C'est triste, hein, monsieur, d'en arriver là, quand même. Ouais, le costume qui va me suivre toute ma vie. On m'a brûlé le cul. Bah, c'est vrai que... Ah, j'ai oublié, ouais. Vous savez c'est quoi la dernière ignominie en date, d'ailleurs, vis-à-vis de ça? De quoi? De Kev Adams? Ils vont relancer les minicums et il y a Kev Adams en arrière. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça, c'est vraiment gay. C'est quoi, les minicums? Je crois que j'en ai entendu parler dans l'émission Fanta, justement. Les minicums, c'était une autre émission quand on était jeune. C'était vraiment le truc... C'était le truc pour les enfants, en fait. C'est le truc où ils passent les dessins animés, mais en fait c'était des marionnettes de personnages célèbres qui parlaient et qui Un peu comme les guignols de l'info, mais... Mais ouais, prends mieux. Beaucoup moins vulgaire, puisque c'est pour les gosses. Ah, j'aurais pu crever. Je t'ai vu tomber, là, d'accord. J'ai eu une autre étoile, j'ai eu la quatrième. Sa mère. Ta pute.
Sa oh, mère, la pute. Et Kev Adams, je l'ai trouvé drôlement. T'es sérieux? Non mais j'irai là, on faut la banne. Hein. Là, Dadakot, tu mérites que je te retire l'accès à confiture. Pour ça. Mais non, mais... Non, non, tu dis que c'est la merde. Pour le français, il avait l'air drôle. Il est pas il drôle. Il est complètement con, oui. C'est de la merde. C'est la honte des mais Français. Mais ils sont plus drôles que lui, quoi. Vraiment, faut arrêter de déconner. Non, mon tapis. Oh merde, je suis mort. Je vois tout le monde tomber, c'est drôle. J'ai plus de tapis, moi, il a disparu, il a bugué. Mais je comprends pas comment je suis censé arriver ici, en fait, c'est chiant. Voilà, je comprends pas pourquoi mon tapis a disparu. Est-ce que t'es gay? Ouais, c'est ça. Et il t'aime, Kevin. C'est le karma. La prochaine étape, t'as c'est quoi? C'est Squeezie? Ouais, ouais, Squeezie, elle est fan. Non, mais Squeezie est quand même mieux que Kev Adams, hein. Mais quand je l'avais connu, c'était... j'avais 16 ans. Non, c'est... Non, mais attends, Kevin Adams, il a pas 20 ans, 20, 40 ans non plus. Non, mais... Je peux Je me suis fait cramer, quoi. Hey, j'ai 19 ans. Bah alors, c'est une excuse de rien. Mais oui, mais il y a 16 ans, ça fait pas 4 ans, ça fait pas 10 ans. C'est vrai que ça fait assez longtemps qu'il existe, le connard. Mais oui, mais moi, je le connaissais à cause de YouTube. C'est bien. Je trouvais juste drôle un de ses sketchs. C'est comme les gens qui aiment Nightwish, quoi, Nickelback. J'ai juste écouté 2-3 de ses sketchs, je le trouvais drôle, mais j'ai pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait d'autre d'avis, là. Mais il est humoriste et après qu'est-ce qu'il ouais, fait? Ouais, mais je sais qu'il est humoriste, mais j'ai pas trop checké. Il a fait un film de merde. Et disons que j'écoute pas les films français parce que il je trouve que c'est il a fait plusieurs films de merde d'ailleurs. Il a fait le grand Aladdin, quoi. Ah, ça, c'est un très grand film. Il y a Aladdin 2 aussi. J'écoute pas les films français. Parce que j'aime pas le film français. C'est une blague, Aladdin, il a deux, vraiment plusieurs... appelé Aladdin 2. Oui, oui, oui. Oh là là. Coucou! C'est Aladdin 2 en fait, il a appelé non, ça. C'est moi, j'ai voulu te frapper, mais c'était juste pour plaisir. Sérieusement, quoi. C'est honteux. Allez, allez Yoshi, allez Yoshi, allez Yoshi, c'est comme, allez Yoshi, allez. C'est comme allez, le coup de Brise allez, de Nice. De Brise de Nice ouais. 3, on enlève le. Ouais, 2, mais à la limite, ça, ça passe déjà mieux quand même. Je te vois, d'accord, je vais parce que à la 2. Ouais, à deux, j'avoue quand même que... Ah, il est derrière moi. Ouais, t'as fait un pervers sexuel, j'arrive. Non. Et c'est... c'est et voilà. Viens là, Dadakon. Je sais que tu n'as pas tant que ça. J'en ai eu marre, j'ai pas fait les... Mais qu'est-ce qu'il me lance des trucs sur la gueule, j'ai lui, pas là. Fait avec les plateformes, du coup. Ah, j'ai eu la cinquième du coup. Et on a toujours pas la première. Je crois qu'on a pas trop compris le but du jeu. Oh putain, Mario là, qu'est-ce qu'il a fait? Un petit saut, mais je me suis un peu foiré. Attention, je suis poussé par une bombe. Oh, la pièce qui tombe dans le vide. Corps. Non. Oh putain, le beau bombe il t'a explosé à la gueule pour moi. Je suis rendu à la fin. Et ouais, t'as pris le mauvais chemin, c'est ça. Ouais, je pense. J'étais autour d'un truc qui tournait avec une vie au milieu. On est rendu à 114. Oui. Sur 120. Ah, déjà, il nous reste plus que 5 dans ce niveau. Dans les 100 pièces, un tenko. Je suis en train de les faire. C'est mon boulot. Alors t'es en plein de trucs et pendant que moi je montais, vous avez fait 3-4 étoiles. C'est ça. Pendant que moi j'ai juste réussi à monter. Ah non, monter. Et à monter. Oh merde. À voler. Qui a volé, l'orange? Putain, je galère avec le wall jump là. C'est quoi cette galère, putain. En plus, maintenant, Tenko, il y a de la neige dehors. Oh non! C'est cool, c'est la neige. J'ai envie d'en avoir. Ouais, on est rendu à. Il y a un bon 5 cm au moins dehors. Ça vient de neiger pour la. Mais t'es d'où, en fait, de Québec? T'es de Québec, la ville ou dans le monde? T'es où au Québec exactement? Vers le fleuve. Je suis dans le bas Saint-Laurent, donc sur le fleuve. Bon, je suis un peu aussi, c'est ça.
En gros, Ah, ce serait bien que j'arrive à toutes les avoir, là. Ce serait bien. Comment te l'expliquer? Je sais pas, je suis quand même loin de la capitale. La capitale est comme à 4-5 heures de chez nous. D'accord. Tu sais environ est où la capitale? Montréal? Non. Bien, voyons, au Québec, la capitale, c'est le Québec. Ah bon, c'est même pas Montréal. Non, Montréal, c'est une des plus grandes villes, mais la capitale, c'est Québec. Ah bon? Ça, c'est une belle réussite. J'ouvre les canons! Il y a aussi qui volent! Il y a aussi qui volent comme ça! Parce que Québec, ça a été. J'ai rien vu, le Québec! Alors que. Mais Montréal, ça a été fait. D'abord, c'était Ville-Marie. Québec, c'est Québec, mais. C'est par un four, quoi. D'accord. Non, parce que j'ai une pote. Disons que Ville-Marie, comme capitale, c'était pas super cute. Ouais, j'ai une pote de Montréal, c'est pour ça. Mais Montréal, j'irais pas vivre là toute ma vie, là. Bah elle, c'est qu'elle vient de là-bas, là, elle est en vacances, en rough chemin. Ah d'accord. Mais ouais. C'est une mauvaise endroit, un bateau, c'est là-bas. C'est une grande ville, quoi. C'est genre dans... Bateau. Bah j'y vais. T'as une voiture que tu fais pitié, là. Allez. Allez. Allez, Yoshi. Le bateau. Non, c'est moi qui l'aurai, le bateau. C'est moi qui l'aurai, ton putain de bateau. Fuck you. Ça en manque. Non, en fait, le niveau c'est moi qui l'ai, le bateau. Parfait, là, d'accord, c'est parfait. Ça a pris 3 minutes. Il est très rapide à installer. Il est léger quand même. Ah bon? Ouais, je peux pas installer CK2. Ah oui, c'est léger, en parlant. Ah, ok. Bon, bah tant pis, j'aurai pas le bateau. Putain, par contre, le bateau. Ça va être 4 minutes pour CK2. Il y a du vent, le bateau. Je sais pas si ça prend en compte les DLC. J'en ai marre de la vie. Mais t'as pas pris de DLC normalement. Non, pour CK2. Ah. Non, CK2, mais. CK2, il est pas très simple. Je l'ai. J'ai le bateau. Ça prend 4 minutes l'installer, mais je sais pas s'il prend en compte les DLC ou non. Je pourrais pas te dire. Ah bah, c'était celui-là en plus, c'était la première. Je pense que la grosse majorité des DLC sont finalement compris dans les fichiers de base. Mais bon. Bah oui, puisque sinon on pourrait pas quand vous le soyez. Ouais, c'est. Je dis la grosse majorité parce qu'il y en a certains. C'est... La grosse maison dans le ciel. Là, je vais essayer de jouer à CKD maintenant que je sais comment fonctionnent au moins les armées. Bon, alors, où est-ce que c'est ça, la grosse tata dans le ciel? Faire une dynastie contrôlée par les femmes. Yeah. Qu'est-ce que tu racontes? Elle va faire une dynastie contrôlée par les femmes. Les Amazones? Il va falloir que tu. Fasses. Non, pas les Amazones, parce qu'ils vont fou. Sinon, il y aurait pas de. Il va falloir que tu passes des lois à la con pour que les femmes soient au pouvoir et tout. Ouais, ça va être super chiant. Mais non, je commencerai une partie avec déjà une femme au pouvoir. Mais même, il faut que tu sois en loi matriarcale et tout. Mais oui, c'est ça, ça va être déjà fait d'avance. Il faut... En fait, t'as une culture qui te permet de faire ça, mais... Je l'avais déjà fait, puis je pouvais choisir ma culture et tout, qui m'avait permis d'avoir automatiquement matriarche. Au pareil de CK2, là. Non, CK2. Ouais. Mais c'est pas évident. Hey, j'avais compris à faire matriarche, ok? Ça, je l'avais compris. Je savais pas comment envoyer des armées sur mes ennemis, mais ça, je savais faire tout. Bon. J'avais de l'importance. Putain, j'ai la même étoile que Chronique, fais chier, quoi. Bah oui, hein, mais j'ai dit que je l'ai. Mais moi, dans ma première partie, je pouvais pas vraiment. Il arrête pas de me dire que j'avais pas nommé quelqu'un à tel poste, mais il y avait quelqu'un qui. C'est qui la 116ème étoile, là? C'est moi, les 100 pièces. Et 117 les pièces rouges. Donc là, il faut que je trouve la grosse maison dans le ciel, du coup. Mais là, ça doit être encore plus haut. En fait, non, c'est l'autre côté. C'est au lieu d'aller à droite, il faut aller à gauche, là, tout ça. Vous avez pas fini le niveau? Non. Il reste 2 étoiles, je pense. Ouais, 2 étoiles. Il reste la grosse maison dans le ciel et l'autre. Moi, je suis juste là pour récupérer des étoiles. Et faire jouer. Allez, là-bas. C'est ça. Mais non, tu passes un bon moment avec nous. Regarde, tu m'apprends que la capitale du Québec, c'est Québec. Ben oui. Je pense que. Et tu sais que je. Vous êtes en dehors du tapis, monsieur. Tu sais que j'ai coulé tous mes cours de géographie. Moi aussi, vous êtes en dehors. Légèrement en dehors. Non, c'est que... Je suis sympa. Je suis capable de te dire que c'est quoi la capitale. Demande-moi pas exactement de d'écrire tout. Hein. Non, c'est surtout que j'ai une pote qui est vraiment québécoise et tout. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, ouais, je suis ouais, vraiment voilà. Québécoise. Ouais, mais j'ai rebondi sur votre tronche, là. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ta phrase, ça tournait genre, ouais, mais c'est parce que mon ami est vraiment québécoise, elle. Non, toi, c'est t'es une fausse québécoise, d'accord.
Oui, je suis née dans ma... au Québec, j'ai vécu toute ma vie au Québec, j'ai jamais quitté le Québec, mais je suis pas une vraie Québécoise. Mais non, t'as des origines de partout. Non, mais le Québec, déjà. C'est fait d'origines de partout. On est créé à partir de ça, c'est notre logique. En même temps, les Américains, ouais. Les Américains, voilà. Non. Ne pas, vous êtes que des colonies. Il reste très très peu d'Américains. On t'a dit que les colonies sont mieux tirées que... que celles qui ont été contrôlées, hein. Justement, on est devenu indépendant pas mal vite parce que c'est pour non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'à tu la verras base... dans Europa ce que ça fait, les colonies. Ce qu'on dit, c'est qu'à la base, c'est des colonies. Ouais, mais la France on dit pas a que été... c'est forcément mieux géré, on dit juste... Non, mais la France a tellement été des merdes qu'il nous a abandonné aux Anglais. Tu verras dans Europa ce que c'est que les colonies. Tu verras comment c'est. Non, je crois la Suède. Non, n'empêche qu'il nous a quand même abandonné aux Anglais. C'est vous que... la base, n'importe qui aurait fait la même chose. Et justement, on s'est battu contre les Anglais pour qu'on se fasse perdre notre, nos valeurs et toutes les tralalas. C'est pour ça que maintenant, on a les lois... c'est les lois... Ben, la loi civique, elle est anglaise. Et la loi plus qui est... voyons, je peux pas me mélanger. Les lois, tu sais, admettons, les voitures, tout ça, c'est anglaise. Mais les lois plus personnelles, c'est française. C'est un mélange des deux. Vous avez gardé les meilleures choses, quoi. Ouais, ce soir on doit garder le meilleur. Du coup, tu penses jouer quoi de Dakota? Je sais pas. Le Québec, tu bah, elle pourrait, hein. Le Québec, elle va être aspect. Pas non, le problème, c'est que Québec. Le Québec, si on prend les dates du début. Il existe pas le Québec dans les dates du début. Bah, tu le formeras. Non. Il n'existera pas encore. Tu joueras les Aztèques. Enfin, ce seront des indigènes. Si tu joues en fait des gens en Amérique au tout début, ça va être des indigènes qui vont évoluer technologiquement, donc ça va pas être la meilleure partie du monde. Tu vas jouer des Aztèques au Québec. Putain. T'as qu'à jouer les Inuits. T'es pas des Inuits, va te faire. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Mais ça sera plus proche de nous déjà, il y en a à côté de nous normalement. Vu que nous on jouera le Japon. Vous jouez tous le Japon? Bon, c'était prévu qu'on fasse une partie au Japon en fait. Que ça s'appellera Japon pas entraînement. La vraie. Ouais. Parce qu'on avait fait Japon entraînement en Chine. On avait fait Japon pas entraînement en Chine. Et là du coup il faut faire Japon pas entraînement tout court. Mais... pourquoi c'est Japon si vous êtes en Chine? Non, mais justement, on l'est pas. C'est parce qu'on l'a fait une fois, en fait, on a fait une phase... Japon une fois, on a fait... en Chine. Voilà. C'était un délire, le nom de la save. Faut pas chercher. Ah. Ouais, si t'avais pas vu ma face, mais j'étais vraiment en train de réfléchir à ma vie. Déjà que je suis nul en géo. Putain, mais j'arrive plus à... Mais je connais mes continents. Je connais mes continents. La Chine, c'est gros, quoi. Ah oui, la Chine, c'est gros. Ouais, bah la Chine, de toute façon, au début... Mais je veux dire, si tu me demandes les sous-pays, mettons... Les quoi? Mais mettons, en Amérique, en Ontario, tout ça, ben j'ai un peu de mal à les placer sur la carte, quoi. Je sais que ça existe, là, mais... moi, la géographie américaine... Je comprends, mais moi, j'habite en Amérique. On leur demande la géographie européenne, ils savent même pas placer la France, déjà, eux, donc... Je sais placer la France, elle est plus petite que le Québec. C'est vrai, combien de... Je sais plus, c'est 18 fois plus petit, je crois. C'est vraiment plus petit que le Québec, c'est facile à trouver. On n'a pas putain, le pays... mais j'y arrive pas, quoi. On ça m'énerve, j'arrive pas de bugger. En fait, j'ai eu l'avant-dernière. Le pire, la plus drôle, c'est que c'est plus petit, mais vous êtes tellement plus nombreux que nous. J'ai eu l'avant-dernière aussi. Est-ce que t'as eu le canon? Est-ce que t'as vu le bonbon de rose? Oui. D'accord, bon bah voilà, je peux l'obtenir là-dedans. En vrai, là, en France, la superficie c'est 643,801 km. C'est bien, t'as bien compris ton point. 66 millions environ en France, alors qu'au Québec. Dont 10 millions d'Arabes. Ah putain, c'est juste. Au Québec, on est 5,3 habitants. Ah, c'est au Québec. Attends. C'est au Québec. Il va falloir sur Wikipédia. 8,2 millions, non, sur ce site officiel du Québec avec le. Il change à toute fois que quelqu'un est, c'est modifié. 8,215 millions d'habitants pour
pas la superficie du Québec, tabarnak. C'est 1,667 million de kilomètres. Je vois Mario au loin quand il s'est arrivé. Voilà. Ah, tu l'as eu, bien joué. Bon, faut se casser alors. C'était la dernière. Suicide. Ouais. Et moi, en gros, j'habite dans ce qu'on appelle la un alias, la capitale. C'est bon. Du Bas-Saint-Laurent. Ok. D'accord. Mais c'est pas une capitale officielle, mais on c'est un peu buzzer, genre, hein. Du quartier. La Dakota. On a buzzer, buzzer. Okay. On fait buzzer? Ouais, on finit le jeu, en avant. La dernière étoile, bah y a l'étoile des pièces rouges là-bas. J'ai pas touché là. J'ai pas touché la Dakota là, c'est quoi cette blague? L'étoile des pièces rouges chez Bowser. Sachant que t'es obligé de battre Bowser pour pouvoir sauvegarder le... Parce qu'en fait, si tu quittes le niveau, même avec les trois les pièces rouges, ça sert à rien. Par contre, il n'y en avait pas une au départ, là, sur le côté. Putain, la côte, elle est partie en fusée, là. J'adore ce Yoshi qui triche. Mais non, il... Ah merde, pourquoi je suis tombé? Ça s'est téléporté. Sa mère. Oh, tu parles pas comme ça, là. Un peu de respect pour toi. Je parle comme je veux. Apparemment, la gravité fonctionne bizarrement dans ce niveau. La mère de Bowser devait être une pute qui devienne aussi méchant. C'est probable. Et Peach a fait semblant de se faire enlever. Ouais. Juste pour se faire baiser par Bowser. Oh, c'est parce qu'il penche. Il est penché, le truc, il tourne. Oh. Bah oui. Pas remarqué. Bravo. Danakot, ça va pas. Non, mais il s'est mis à tourner seulement quand je suis arrivé à la fin et au début. Tanko, tu t'occupes des pièces rouges ? Quand t'es arrivé à la fin. Oui, oui, je suis déjà dessus. Mais la première fois que je l'ai faite avant de mourir, ça devait pas tourner, mais la deuxième fois que j'ai faite, ça tournait. Bon. Non, mais t'es nul. Va te faire foutre. Oh, on parle pas comme ça. Va te faire foutre un œuf. Non, va te faire foutre. Pas la même chose. C'est va te faire cuire un œuf. Va te faire foutre, c'est avec du foot, justement. Ah, non. Va te faire foutre, ça va te faire enculer. Putain de footix. Merci. Tu sais, la fille, elle nous apprend des mots, quoi. Tu connais le mange un hostie de char de marde. Un hostie de chat de marde, on le fout au four. Un char de marde, voyons, un chat de marde. Est-ce que tu connais l'expression en papaouté? Papaouté? En papaouté. C'est pas la toune? Non, ça existe pas, ça. Si, ça existe. Non, c'est pas la chanson? Voilà, ça existe, on peut pas. Je suis en train de me dire aussi. Ça ressemble surtout à la chanson. Chanson de merde. Papaouté, ça existe, c'est un verbe. Papaouté. Une bonne grosse chanson de merde, ouais. Ouais, là, pour un bon gros chanteur de merde, surtout aussi. Bah, va te faire foutre. Oh merde! Mais non! Mais fuck you! On est d'accord, j'ai pas le choix de réussir. Tout le monde qui est en train de râler, tu sais. Bah c'est qu'en fait j'avais fait un safe state sur un... Alors j'avais les culs brûlés. C'est fait que dès que je chargeais, j'avais les culs brûlés, je suis mis dans le vide. Oh putain, vas-y. Comment on fait pour sauvegarder? F5. Moi le clavier est trop loin, donc à chaque fois je le fais manuellement. C'est que t'es gay, c'est plutôt. Oulala, non! Tu remarques quand même à l'époque le décor au fond était quand même assez moche. Un bon petit pixel comme on dit. Attends, c'est le premier jeu de la 64 quand même. Avec Mario Kart. Ouais. Putain, mais toi, c'est tellement cool Mario Kart. Ouais, je les ai eus à Noël, j'ai eu Mario Kart et Mario Kart. Tu vois sur la GameCube. Et moi, mon premier jeu, c'était Snowboard Kids sur Nintendo 64. La Guinness. Ça. Bon, j'avais bien c'est que me dit... 64, mais je sais pas si c'était celui-là. Non, mais c'était elle était 1982. Même pas à moi la 64, parce que ma vraie première console c'était la PS1 en fait. Mais c'est comme ça que t'avais vu la. Mais putain, mais j'en ai marre de tomber comme une merde. C'est que j'ai commencé les jeux vidéo avec le Nintendo 64 d'un pote à mon père qui nous l'avait prêté. Et moi je jouais à Zelda, c'est mon premier vrai jeu sur console, c'était Zelda Link to the Past.
Ah non, moi, le premier vrai jeu que j'ai eu, c'est mon frère qui avait la NES, donc du coup il avait quoi, il avait une trentaine de jeux dessus. Voilà, si toi tes premiers jeux c'est des jeux de merde, on n'y peut rien aussi. Jeu de NES, s'il te plaît, la NES on la respecte. C'est bien ce que je dis justement. Après j'ai eu la Super NES avec Mario All-Star. On respecte pas les vieilles consoles pourries comme ça, c'est de la merde. Mais non, mais à l'époque c'était pas vieux. Et la Super NES c'était trop bien. Hein. C'était de la merde. La Super NES, ça c'est la meilleure console jamais sortie. Ouais, il y avait une vie cachée. Console de rétrophage. À l'époque c'était bien, maintenant... Mais non, mais c'est toujours attends, la Super NES, c'est non mais attendez, la Super NES, vous pouvez jouer à Donkey Kong Country, il est monstrueux, vous pouvez prendre Final Fantasy VI qui est le meilleur de tous les FF, t'as un truc Chrono Trigger qui est sorti dessus, t'as pas un Rétrofag... Vous réalisez que je tourne depuis 10 minutes à essayer d'avoir une crise de vie, puis j'y arrive pas. Je comprends rien à ma vie. C'est pas de l'avoir, hein, Pierre. Mais non, ouais. Je la veux. T'es d'accord, son objectif, c'est pas les étoiles. Mais non, parce que sinon il faut que je fasse le demi-tour. Non, mais je t'ai dit, elle se croit dans Mario Party, elle se dit, ouais, si j'ai plus de vie, à la fin je gagne un bonus. Mais non, parce que j'ai perdu tout. Ouais, j'en reprends. Tu me fais poursuivre par un Goomba, non, la loose. Allez, voilà, je vais niquer Bowser. Allez, 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 allez. Mais c'est dur de tourner avec. Panko, t'en es où là? Ta vie. 5 pièces rouges. J'espère que j'en ai pas loupé. Sinon, ça va être le cancer. Je t'attends, je suis presque à Bowser, je suis au niveau du tube. Bon, je vais regarder sur Steam pour reprendre les versets. C'est quoi ce gros truc? Tu me diras quand t'as la 8ème de Tenko pour 8, pour que je puisse... Comment on fait pour passer le grand monsieur? Vous en avez sûrement raté une, monsieur, parce que j'en suis à 6. Ah ouais? Là, j'en ai 6. Ouais, bah c'est bon. Non. Comment on fait pour passer le grand monsieur? Quel gros monsieur? La carte. Le machin violet là? Non, le morceau de pierre. Ah. Ah bah tu le fais tomber avant. Comment on fait? Bah tu t'approches de lui, il va tomber sur toi et... Voilà. Voilà, merde. Non, je tombais en bas. Il y en a bas. Pas ici par contre, il en manque une par contre. Il y en a pas de pièce rouge là. Ah oh, mais Tenko, faut descendre. Il y en a une là, c'est bon. Quand on tombe en bas, on gagne des pièces. Et hop là, l'étoile des pièces rouges. Attends, oh, mec. Le mec qui me sauce sur la 120ème, l'enfoiré. Tu l'as récupéré là? J'y vais là. Quel mais connard. Non. Tu vois, c'est en train de retourner en train de récupérer. Et voilà. Ah. Oh le bâtard. Mais non. C'est bon, une humiliation de dernier moment. C'est ce qu'il fallait hein, en même temps. Ouais, je butais Bowser. Ouais, moi aussi. C'est tellement dur de sauter avec la caméra de merde. Cette musique, quoi. Ouais, le Bowser qui y croit, quoi. Ouais. Arrêtez, il faut que je réussisse, moi. Cette musique satanique, quoi. Bon, allez, en avant. Je vais affronter Bowser. Et putain, ça me perturbe d'avoir... Ah, je l'ai. Ah ouais, je l'ai plus. Aïe, putain, tu m'as fait mal. Mais oui, toi aussi, c'est pour ça que je l'ai perdu. Oh là là, la violence par contre là. Ah, mais ça brûle. Pourquoi? Chier. Ah non, dans le vide. Oh, il y a plusieurs Bowser là, c'est horrible. Mais c'est chaud, mais c'est quand vous en avez un. En fait, on en a tous un quand vous en avez un. Oh, j'ai foiré. Putain, mais le Bowser derp, quoi. C'est vraiment Bowser Robin quand tu regardes sa tête. Il a une sale gueule, ouais, dans cet épisode. Est-ce qu'il a déjà eu une belle tête? Ouais. Il est mieux maintenant avec le skin qu'il a. Maintenant. Boum! Ah, tu veux te battre encore? Allez, viens. Oui! Non! Non mais il faut que j'arrête de me faire brûler. Ah oh, j'ai du mal à le balancer au bon endroit à chaque fois. Putain. J'arrête pas de mourir après le bonheur. Oh là, il est bossé. C'est tellement d'être so long Bowser. Oui. So long et bossé. C'est gay. Mais la musique est parfaite. On se prend dans Castlevania. So long et bossé.
J'aime les OST de Bowser en général. Allez, il me reste plus que Bowser à tuer. The Last Bowser. C'est la même. Oula, il est en train de détruire le niveau là. Ouais, là c'est The Last Storm. Waouh. T'as voulu me cramer une barrière. Oh là, allez, là, allez. Par contre, et là faut le viser hein. So long, et Bowser. So long, et Bowser. So long, et Bowser. C'est tellement gay. Aïe, j'ai touché, putain, j'ai eu. Ah putain, mais vas-y, il est foutu là. Ah, mais sérieux? Merde. Il a tout pété, ça y est. Moi non, il était à côté, du coup, il est tombé derrière. So long, j'ai essayé de garder pendant que je faisais tourner, les gars. Mais moi aussi. J'arrive pas à attendre, hein, c'est fou. Mais moi non plus, merde, il tombe derrière, moi. Mais ouais, il tombe à gauche, quoi. Voilà. Mais non, mais merde. Oh. So long, et Bowser. Non. T'es affreux. Non. So long, et Bowser. Arrête d'être buzzé. So long, et Bowser. Non. Sa mère. Mais merde. Il est bronzé. Putain, ouais, moi aussi il tombe à côté à chaque fois. Mais il est toujours à gauche. Vous, moi, il vous a rendu au buzzer. Salon, il est bronzé. Salon, il est bronzé. Non. Putain, mais c'est à un poil de cul, quoi. Non, j'étais dessus. Here we go. Salon, il est bronzé. Oh, mais merde. So long, et Bowser. Je n'aime pas ce jeu. Putain, mais il tombe devant. T'as blingué, Bowser. Je n'aime pas ce jeu. So long, et Bowser. Je n'aime pas ce jeu. Je n'aime pas ce jeu. Il me tape sur les nerfs. Et Bowser. Arrête, on a bientôt fini. Oui, je l'ai eu. So long, et Bowser. Et moi, je So long, et Bowser. So long, et Bowser. C'est pas possible. Allez là, il est dessus, putain. Il y a des moments, c'est abusé quand même. Il est vraiment dessus, moi aussi. Et... Wow. Et j'ai gagné. Je l'ai, voilà, l'ai attrapé plus près cette fois-ci. Allez, vous me voyez en train de danser au fond là. Je vole. Non mais je vole. Here we go. So long, et Bowser. Ah ouais, je te vois voler dans le fond. J'ai vu un taux de voler, quoi. So long, bon, okay, d'accord. Et Bowser. Je vais essayer de le choper plus près aussi, parce que c'est n'importe quoi. Mais putain, il y a des moments, il était vraiment dessus, et... So long, et Bowser. Ça y est, je l'ai eu. Allez, j'ai sauvé Peach. Putain, c'est Toad qui nique Peach, quoi. De toute façon, tout le monde nique Peach. Parce qu'il lui donne des champignons. Faut se mettre sur le putain. Je lui montre mon gros champignon. Ah, il donne des champignons. Elle va se retrouver avec des champignons. C'est ça, quoi. C'est ça. En même temps, on pense de se faire taper par Bowser. Mais il lui donne pas de champignons, moi. Ah, c'est bon, et j'ai voilà. Eu. Ouais, moi, je suis en train d'avoir l'étoile. Vous êtes sur mon étoile, poussez-vous. Voilà. Et Peach, je suis en train de m'accueillir. Ta-ta-ta-ta. Et ça y est, je vole. Yahoo! Je vais vous suivre. Oh, la gueule de Peach, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quoi. J'ai vu le Yoshi derrière. Mais c'est Mario! On va tous se faire Peach les uns après les autres. C'est ça. Pas moi. Et c'est Toad qui est passé en premier, quoi. Du coup, on va tous choper des champignons. Qu'elle m'appelle Mario, quoi. Et elle m'embrasse. Il y a Toad sur le pont en plus dans la cinématique, du coup. Ah oui. Et moi, m'embrasse dans le vide. On va se et voir, moi, je te vois en train de danser comme un con, du coup. Ah ouais, je vois Toad là-bas. Et il y a Yoshi en haut, je l'ai vu sur le toit, du coup. Là, je suis dans Yoshi, là. Moi, j'ai vu le Yoshi. Ah, il y a l'autre Yoshi, ouais. Il y a le gros Yoshi en haut. Ah, mais c'était un fantôme, en fait, Peach. C'est ça, en fait. Mais je m'en vais même pas arriver. Et je traverse Peach. Au sol. Peach, elle était enfermée dans les étoiles, je sais pas trop comment. Okay. Mais elle tombe derrière Toad en plus. Il y a un Toad derrière alors que là il y a deux Toads. En fait, la Toad il est caché par Peach.
Ah mais bah, en plus, Peach, elle m'embrasse dans le vide. Parce que normalement, Peach, elle embrasse dans le bout du nez de Mario, mais comme je suis trop petit, mais en fait, elle embrasse dans le vide. Je pense qu'elle va embrasser dans mon nez, moi. Ça va être beau. Moi, Mario. Non, non, c'est pas Mario, non. Il moi, je vais prendre dans Yoshi, moi. Mais oui, c'est ça. Mario, il veut son bisou, du coup, il va en avoir deux, lui. Il va être là quand je vais avoir le mien. Putain, mais c'est beau le mélange des deux. Yoshi avec les cheveux de Mario. Ah voilà, oh là là, elle rentre dans mon nez, c'est dégueulasse. Et t'en es où, Danacote? Danacote? Oh putain, dans les yeux de Yoshi. Oh, Danacote? Danacote, elle veut pas te parler. Pourquoi? J'ai rien fait. Elle est en dépression, Danacote. J'arrive pas à passer le feu. Attends-moi, Yoshi! Non, fuck you! Moi aussi, je vais regarder la quitture en l'air. Mais sauvegarde juste avant et va juste et essaie de passer par-dessus. Quoi. Même voilà, et là, tu les crédits du coup, bravo quoi. Allez, courage, tu peux le faire. Non, non, tiens, mais est-ce qu'on va se voir dans les crédits? Est-ce que c'est comme des cinématiques? Ah, si on se voit dans les crédits, ce serait rigolo. Parce qu'on voit Yoshi hein, dans les crédits, donc c'est que c'est une cinématique. Non! Moi, je me vois. Mais je pense que ça va trop vite pour qu'on se voit en fait. Bah moi je me vois tout seul du coup. Ouais je me mais vois vous, tout seul vous voyez aussi, et en perso fait, du coup. Moi je suis au pingouin ouais. Déjà donc. Moi je suis sous l'eau. Ouais c'est pour ça, c'est parce qu'on n'est pas dans les mêmes scènes, mais je pense que si on était dans les mêmes scènes on se verrait. Ouais. Et j'ai peur que si je fais pause ça va passer en fait. Sinon ça passe pas, on peut pas la passer. J'ai essayé. Mais si je fais pause ça fait rien en fait juste. Ouais c'est ça. Ça va cool. Okay. Si en faisant le moyen de faire pause, c'est de cliquer genre sur système. Alors attendez, je vais essayer. Pendant genre quelques secondes. Non, ça. Si, il y a pause, ouais, F2, mais j'ai peur en fait. Normalement, sinon, si on fait je système... fais une save state et je la load en chaîne, voilà. Le mec. Là, je suis dans le désert, vous me dites quand vous y êtes. Je suis dans la. Là, je suis au niveau des. Je suis dans le désert. Là, tu es sur le sous-marin Bowser. Bah, y avait personne dans le désert. Bon, là, je suis avec les Raymanta. Là, je suis sous l'eau. Ouais, et c'est là voilà. Qu'il va plus y avoir de perso en fait. Mais ouais, c'est ça. Là, je suis avec Peach là. Oui, ça marche, ouais. Je vous ai vu. Oui, on est l'un dans l'autre. Bien, quoi. Eh, vous allez vous dire au revoir en même temps avec Peach, vous allez trouver ça trop bien quoi. Vas-y, fais F5 du coup et. Fais F5 et ensuite tu fais F7 pour l'eau dans la chaîne jusqu'à ce qu'on arrive à toi. C'est gay quoi. Là, on en est au. Au grand ça, petit. Le grand petit, ouais. Oh, j'ai pensé! Non! 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 Putain, on peut pas aux horloges. Ça veut dire que si on était dans ces niveaux-là, on se verrait ouais. Du coup. C'est ça, c'est beau. On se verrait apparaître comme on ça, c'est la perte dans les crédits, quoi. C'est ça. Ce serait pas long, mais bon. Putain, mais thank you, c'est bon là. T'arrives à Vienne, t'es obligé de. Tu peux plus rien faire. Charles Martinet, quoi, bien gay. Heureusement, il y a un français qui est venu là comme ça. Mais c'est la voix de Mario en plus. Hein. Oh putain. Repas Universalis 4 qui est à 9,90€. Extreme Edition, j'ai plusieurs DLC. J'ai Horseman of the Potion. En fait, les seuls DLC qui sont que tu peux prendre, en fait, c'est les Content Pack. Parce qu'en fait, ça, ils sont pas partagés par Lost, les contents. Après, ça dépend si tu comptes jouer en solo ou pas. Quoi. Les skins d'unité et tout. Ça y est, on y est tous les trois là. C'est beau, les trois mélangés, c'est beau. Bah, vous me voyez aussi? Oui. Et oui, oui. Parce que moi, c'est fini, mais c'est sur The End et j'arrive pas à passer. Non, mais t'es dedans. Voilà, The End, avec le vieux gâteau tout pourri. Thank you so much for to play. Par contre, même quand tu for to play my game. Du coup, attends, je vais essayer de remettre que... le jeu. Ah ouais, c'est que le jeu il se sauce en fait. Ouais, il se bloque. En fait, il sauvegarde, mais il se bloque quoi. Bon bah. C'est assez gay. Mais attends, je vais essayer de retourner sur le. Sur le. Ah, du coup, faut relancer la. Faut relancer simplement le jeu. Ah mais ouais, mais attends. C'est fou, on a attendu. On n'a pas les 120. Hein. Moi j'ai les 120. Non, mais nous ça sauce, mais on n'a pas les 120. Moi j'ai les 120. Les... Ouais, mais t'as les 120, mais le seul truc, c'est que nous, on a fini le jeu. Et quand on reload, on peut pas avoir la 120. Ah, c'est parce que Crony, c'est lui qui l'a eu, la 120ème. Mais techniquement, j'en ai les 120, moi.
Oui, c'est normal. C'est parce que... Mais t'as pas sauvegardé entre temps, donc. Bon, bah voilà, tant pis. On a fini le jeu, bravo. Moi, je vais aller voir Yoshi, moi, juste pour finir. Bah, moi, je peux pas, moi, j'ai 118 étoiles. Mais on va les avoir, les 120, puisque je les ai normalement. Parce que j'ai pris la dernière. Et du coup, voilà. Vous voyez à l'entrée ouais, en train 120. De faire coucou encore ou pas? Genre, si vous allez sur le... à l'entrée, est-ce que vous allez faire attendez, mais le problème, c'est que ça va pas être le cas, parce qu'il va falloir que je relance le serveur, du coup, comme j'ai dû relancer la. C'est ça le problème. Ah, gay. On peut pas vérifier, du coup. Non. Ah, attendez, peut-être si j'ai fait reset game, peut-être que ça passe. Non, moi, ça marche pas. Peut-être que ça passe avec reset game. Non, ça passe pas. Bon, Cradle of Civilization, ça t'apporte quoi en plus? Mais ça sert à rien, puisque tu... Enfin, les DLC, de toute façon, c'est que ceux de Lost qui sont pris en compte. Donc... Ce qu'il faut que tu prennes, c'est les content packs si tu veux prendre des DLC, comme dit, parce que ça, c'est des skins en fait. Les content packs, ok. Parce que My United Castle, c'est Cradle of. Pas trop ce que c'est pour apporter de plus. C'est le nouveau celui-là. Ouais, c'était les Arabes, ça. Mais du coup, je l'ai pas pris celui-là. Bon... Ouais. Mais du coup, ça sert à rien qu'ils le prennent, parce que comme dit, c'est que Lost qui est pris. Donc même s'ils le prenaient, on n'aurait pas de toute façon dans la partie. De toute façon, t'as tous les DLC, toi. Tu les as, Woman in History, Conquest... Oui, il a tout sauf le dernier, en fait, c'est tout. Il y a que celui qui est sorti que j'ai pas, du coup. Ouais. Bon, attends, je vais quand même prendre... Je vais prendre en extra édition, comme ça, ce sera fait. Acheter pour moi. Après, ouais, ça dépend si tu veux jouer en solo ou pas, hein, c'est comme dit. Ouais, putain, ça me fait chier, ça. En fait, si, mais il est saucé sur... sur mon PC. Parce que ma connexion étudiante bloque à moitié mon Steam. Quoi. It's me, Mario. Alors. Non, c'est le 3, ça. Hello. Ah putain, ouais, 118 étoiles, moi aussi. Ah, vous êtes tous aussi. Je suis le seul gagnant. Moi, j'ai toujours 120. Oui, mais toi, t'as toujours 120, mais là, le serveur a été saucé. Et tant que t'as pas sauvegardé, tu les as pas, les 120. Je les avais sauvegardés normalement, mais bon. J'ai quitté. Vache. Dadakot, elle aura même pas battu Bowser, quoi. C'est beau. T'es nul, Dadakot. Tu me déçois. Toi, nul. Moi, je l'ai fini au moins, Bowser. Mais toi, t'es une même le premier à avoir fini. Mais t'es sérieux ou quoi? Est-ce qu'il a bloqué pendant que j'ai installé le jeu? Non, c'est bon. Alors, t'as mis dans la téléchargeur. Bon, oh, fuck là. Non. Oula. La Guinée, c'est trop fort. Ouais, il fait que 2 gigas le jeu, putain. Ouais, il est pas lourd. La Guinness beaucoup trop forte, ça je vais pas décrocher. Mmh. J'ai mon oncle qui m'appelle, mais il doit être complètement beurré parce que c'est son anniversaire. Du coup, ah oui. je vais pas décrocher. Effectivement. Le torrent, c'est... On peut connecter Facebook à Discord maintenant? C'est bon, le serveur est lancé sinon. D'accord, on arrive. À moi. Mais du coup, comme j'ai 120 étoiles et que j'ai le canon, vous allez pouvoir... Ouais, ça va être beau. Si vous en... Non, parce que si vous en avez 118, vous allez pas pouvoir. Mais vous allez me voir tomber dans la grille. Step. Bravo. Eh ouais, moi je contourne les règles, moi. Je suis un ouf. Juste que Bowser est pas battu, du coup. Oh, il m'a laissé un message sur le répondeur, ce gros cul. C'est vous. Laissez-moi aller me voir moi-même. On peut pas y aller nous. Oh, fais chier. Si, bah Tenko il peut parce qu'il avait fait une sécurité. J'ai grugé quoi. Oh. Ah bah bravo. Et comment t'as pris pour gruger du coup, je comprends pas. J'avais une safe state. Une safe state avant Bowser mais avec les 120 étoiles. Bonjour Yoshi. Il est gros ce Yoshi hein. Ouais, c'est pas le vrai ça.
Hey Yoshi, tu me donnes tes vies? Bon, c'est voilà. Drôle si on arrive à lui parler avant en fait, parce qu'il doit te dire la même chose alors que t'as pas tué Bowser du tout. Je crois pas qu'il apparaisse si tu... J'ai un doute en fait, je me demande s'il apparaît, même si t'y arrivais par hasard à monter. Ouais, je pense qu'il est déjà... Il est déjà exactement la même chose, juste pour que t'arrives devant. Oui, je pense qu'il est là de tous les cas. C'est le mec qui t'attend, il se dit putain j'attends qu'il s'envoie des étoiles, c'est fou. Putain, il s'est suicidé en plus. Ouais, il se barre au bout. Cette casquette volant. Ouais, c'est vrai que tu peux voler derrière. Ça sert pas à grand chose à cet endroit. Non. De toute façon. À part à t'amuser. Et encore. Si c'est un grand mot. Ça amusera. Voilà. Bon, bah voilà, c'est fini maintenant. Et maintenant, on va DL la hack. Non. C'est parti. Maintenant, exit. Voilà, serveur. Non, peut-être pas. À ce temps-là, sans Sigomar et tout, je crois. Bon, on commence le repas, peut-être les gars qui sont là. Sans Sigomar, ça serait triste quand même. C'est vrai. On n'a jamais fait une partie de... depuis qu'il y a Sigomar. Surtout qu'il l'attend. C'est ça. Du coup, il y a quoi comme peuple dedans? Il y a tous les peuples du monde? Oui. Ouais, tout bah, tout ce qui s'appelle Europa, c'est un peu con. On peut aussi créer son, on peut aussi créer son pays. Hein. C'est... Il y a une DLC qui fait ça. Je vais créer mon royaume. Le royaume de Rochefort. Grand royaume. Et il y a aussi. Normalement, enfin, il y a le mode aussi. Je pense pas qu'il soit à jour du coup, mais de toute façon, on n'utilisera pas celui-là, mais qui fait une map aléatoire. Ouais, il y a après il y avait c'est dommage le mode qui mettait vraiment la map monde complète du coup. Vous savez qu'il rajoutait plein de provinces et tout. Ah oui. Il était bien celui-là mais il est pas à jour. Bah de toute façon, il y a aucun mode qui sera à jour. Et mais... il est abandonné de toute façon donc. Ah oui. C'est ça le problème. Le seul mode que j'utiliserais c'est les musiques du coup pour avoir les musiques japonaises. Ouais. Putain le mec il s'est bloqué d'un coup quoi. Allez. 4 mégas par seconde, c'est cool ça. Et pourquoi tu retombes à 0 là, putain? Je regarde juste par curiosité ce qu'il propose en hack. Et si je retrouve celle que j'avais. Et que je ferai. Bravo, Jade Negan, bravo. Il y a Sonic dans Super Mario 64. Ah bah, oui, là, mais oui c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, monsieur, c'est que ça va arriver, ça, de toute façon, de base. Sonic, il va arriver de base dans 64 Online, en fait, comme personnage choisi. Oh, tu sois pas déprimé, ah, t'as vu. Il court extrêmement vite, en plus. Oui, c'est oui, c'est privé. Vraiment... Je vois une vidéo YouTube, là, c'est assez violent. Et il rajoute des anneaux. Il a grand chose à dire de son avis. Ou alors, ça remplace juste les pièces, les anneaux. Ça remplace les pièces. Ouais, c'est ça, ça remplace les pièces.